Ce gameplay est quand même resté jusqu'au 10. Ah bah oui, mais de toute façon, c'était une recette qui a déjà pris et qui a déjà fonctionné par le passé. Hein. Après, moi, j'ai apprécié le gameplay qu'ils ont mis en place pour le 12, le 13, et même le 15. Ils ont essayé de se renouveler et je trouve que ça a plutôt bien marché. Alors après, pour le 15, c'était assez brouillon. Et voilà, mais bon, j'ai quand même trouvé sympathique le gameplay. Pas celui que j'ai préféré, par contre. Un espace étroit est prévu pour la ventilation. Il paraît trop petit pour y passer. Mmh. Peut-être qu'Ailey peut rentrer, lui. Eh ben, elle est bien épaisse, cette porte. Ah, ce n'est pas la bonne clé. Maman! Maman! C'est moi, Ellie! Tu es là? Bon sang! Ah! En manque du lait de sa mère, hein? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est notre hôpital psychiatrique. Cette pièce accueille une patiente trop spéciale pour être libérée. Laissez partir ma mère! Tais-toi, espèce d'ordure hérétique. Tu as choisi l'endroit idéal pour mourir. Va retrouver ta génitrice. Quelle violence. Il a sa robe qui lui rentre dans les fesses. Je vais passer comme ça parce que je pense qu'il peut coller un mort subite lui. Ah non, c'était pas ceux-là qui collaient des morts subites. On verra bien. Dans le doute. Apparemment des news sur FF7 Remake, la suite, vont sortir ce mois-ci. Cool. Capacité de défense spéciale. Zut. Tiens, tiens. Restaure tous les PV des alliés avec une lumière douce, 80. Ça va, c'est honnête. Elle peut en faire pas mal en tout cas. Salut Zenko, comment ça va? Bah oui, seulement des news, Nanato. Le jeu, il est censé sortir en 2022 ou 2023, je crois. Vu le boulot qui les attend... Ceux qui pensaient l'avoir en 2021, ils rêvent un peu, je pense.
Pour FF7, ça sent le sacrilège par le fan service. Ils ont la recette, ils doivent faire mieux. Moi, ça me dérange pas en fait. Je trouve qu'ils ont fait quelque chose de propre avec le premier épisode. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui attendaient la même chose. Entre guillemets, en version remasterisée. Moi, je trouve ça bien qu'ils aient changé des choses, justement. Parce que si j'ai envie de me refaire FF7, avec tout à l'identique, juste de meilleur graphisme, ça sert à rien. Autant lancer l'original. Oula, ça fait mal ça. En vrai, pas tellement. Je vais utiliser ça. Tant qu'à faire. J'avoue, c'est cher pour entre guillemets ce que ça fait là maintenant, vu que j'avais juste besoin vraiment d'un heal sur un seul perso. Et comme ça, elle pourra attaquer derrière. Pas forcément, puisque le jeu a vieilli, le fait de le remasteriser lui augmente sa durée de vie. Oui et non, parce que le fait de le remasteriser... Enfin, attention, un remaster, il y en a à plusieurs niveaux aussi. Hein. T'en as où c'est juste un petit liftage. Quand tu regardes Rune Factory 4, ce qu'ils en ont fait, voilà quoi. Et t'en as, c'est un remaster en profondeur, limite remake. Là, c'est vraiment un remake à part entière avec, on va dire, un scénario totalement changeant. Je suis surtout déçu dans FF7 Remake, c'est les combinaisons de matériaux comparées à l'original. Ouais, mais ça, à mon avis, c'est pour le prochain épisode, Yann. En fait, ils pouvaient pas trop en donner dans le premier épisode, puisqu'on s'arrête à Midgar. Donc tu peux vite devenir trop badass, en fait. Ça m'étonnerait que les mécaniques de jeu ne changent pas pour le deuxième épisode. Par contre, je suis pas certain que le monde sera ouvert. Et c'est pas pour me déplaire, parce que moi j'espère qu'ils feront pas un monde ouvert. On sait ce que ça donne sur tous les jeux maintenant, les mondes ouverts. On te fout un tas de trucs à ramasser à la con. Du coup, le jeu perd en saveur. Mince alors. Moi je suis super content du boulot sur FF7 Remake, ils nous ont vraiment respecté. Ils ont eu le courage de proposer quelque chose de vraiment nouveau avec un gameplay au top. Je suis assez d'accord avec toi Alex.
Clé du pic. Ben voilà. Tu as reçu clé du pic. Comment as-tu? Hé, l'idiot, retourne aux pieds de ton maître. Ça veut pas bouger. Ah, c'est vrai que le gameplay était super hein, sur FF7 Remake. Moi j'ai adoré. Hein. C'est nerveux, c'est agréable, franchement. Il pouvait faire difficilement mieux, je pense. N'oubliez pas un truc, hein, les gars, pour tout ce qui est materia, les talents ennemis, tout ça. Dans l'original, Midgar, c'est 4 heures de jeu, grand max. Hein. Que se passe-t-il? On devrait pouvoir entrer par là. Hey, Ellie! Maman? Maman, c'est moi. Tu ne me reconnais pas? Tu plaisantes, hein, maman? Je t'en prie, dis quelque chose. Non. Ellie, hé, que se passe-t-il? Yori, ma mère, elle est... Ta mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Maman... Hé, hey Ellie, tu m'entends? Ah, bon sang! On ne peut pas la forcer. Il doit bien y avoir une clé quelque part. Essayons de la trouver. Mais on vient de la ramasser. Je savais qu'Ellie pourrait rentrer. Après tout, il fait partie du clan des rats, je sais pas quoi, là. Du coup, on a un personnage en moins. Attends, j'ai déjà la malice dans le jaune, là. Attends, je l'ai enlevé il y a pas longtemps. Je sais plus ce qu'ils font les autres là. Non, c'est pas eux qui font mort subite, c'était les cafards. Ça, c'est un chien avec un bras dans la gueule. Enfin, un bras qui est fixé à sa tronche en fait, on dirait. Greffé littéralement. Là, ils étaient flingués quand ils ont fait ce monstre, les devs. Voilà qui est fait. C'était celle-là? Non, c'est l'autre à droite alors. Et celle-là?
Bizarre, ça nous a pas dit comme quoi on a utilisé la clé, mais... Clé du donjon. Tu as été torturé et tu as perdu ta voix, hein. Ça va aller, je suis avec toi. Je voulais venir plus tôt, mais je n'ai pas pu. Yori et ses amis m'ont aidé cette fois. Ils sont bizarres, mais gentils. On peut leur faire confiance. Alors ne t'inquiète pas. Hein? Qui êtes-vous? J'ai bien peur que votre petite réunion ridicule ne touche à sa fin. On dirait que même une sorcière dénuée d'émotion ne peut oublier l'enfant qu'elle a porté. Même après autant de tortures, ses sentiments humains commencent juste à se réveiller. C'est vraiment touchant. Tu veux parler, toi qui as choisi de sacrifier corps et âme pour protéger tes pouvoirs magiques? Vous, ne touchez pas à ma mère! Ah, le même pouvoir que ta mère. Mais on dirait que tu n'es pas vraiment capable de le contrôler. Prends ça. Bon sang. Yori. Ah, j'ai pas vu le message, mais du coup, ok. C'était là le fameux repos. C'est pas vraiment une salle de repos, mais bon. Le lit a l'air confortable. Ah bon? Souhaites-tu te reposer? D'accord, c'est une salle de repos. Volontiers, je m'étendrai bien. Il doit pas nous manquer beaucoup de pierres élémentaires en fait là. Je crois qu'il me manque celle de la lumière, ça c'est sûr. Les ténèbres, je l'ai eu assez tôt. Ouais, je crois que c'est la seule qui me manque, celle de la lumière. Niveau max. Lumière. Non, c'est pas lumière. C'est vent et pierre. Présent. Est-ce que je tente de les récupérer maintenant ou pas? Est-ce que je peux seulement? En tout cas, ça brille. Pierre de vent et pierre de terre, je les ai. Ça, c'est sûr. Je me rappelle plus ce qui était efficace sur quoi. L'eau, c'était efficace sur le feu. Évidemment.
casterait bien le vent sur la terre. De toute façon, j'ai save. Allez, feu. Je me rappelle plus ce que t'avais dit, Alex, hier. J'ai déjà zappé. Il est stylé, en tout cas, le troisième niveau de pierre, là. Non. J'aurais dû déjà faire un coup normal, pas essayer de le critique. Ah, c'était peut-être pas la meilleure transfo en fait. Hein. Ah, c'est quand même le niveau 3. Hein. On s'attend à un petit peu de résistance. Tu ça a l'air pas mal de sang. C'est bien en fait, ouais. J'ai rien dit, c'est totalement éclaté. On va voir, ça va peut-être être un petit peu long. Défense physique, on s'en fout. On s'en fout carrément. Putain, là, j'étais dans le rouge. S'il me fait un combo, je risque de me faire fumer. Là aussi, j'étais dans le rouge, sérieux. J'ai un doute sur ce que j'ai dit, car si le vent c'est aussi l'électricité, ça devrait être faible contre la Terre, effectivement. Après, je sais pas quelle logique ont pris les développeurs. Allez, c'est fait. Du coup, on va faire l'autre. L'âme de Lobo. Combien ça coûte la transfo? Non, c'est pas là. Tac, tac. On est, ça va être cher. 48. Bah c'est peut-être un petit peu tôt pour ce transfo, j'ai 56 EM. C'est-à-dire qu'il me reste pas beaucoup de tours après. Hein. Il en faudrait au moins 60 pour avoir de quoi taper un petit peu. Avant d'attaquer l'autre, je vais juste save. Sur le vent, je crois que j'avais pris feu hier, Alex. Il me semble. Après, moi, les souvenirs...
Du coup, je vais faire pareil pour cette fois. Ça avait bien marché hier. Après, j'ai dit que ça coûtait trop cher, mais c'est faux. Parce que 48, il faut que je retire 20% à 48. Vu que j'ai un objet qui me réduit le coût initial et en transformation. Ça va, c'est pas mal. Bon, le sort est nettement plus efficace. J'ai vu un truc bizarre là, non? Là, j'étais en dehors du truc. Tout à l'heure, j'étais deux fois à l'intérieur de la zone rouge, là, j'étais carrément à l'extérieur. Enfin, je trouve, hein. Faiblit. Ça devrait suffire, ça. C'est ravi. L'envie de pleurer monte en toi. Non, ça va. Bon, en tout cas, j'en aurais déjà fait deux, ça c'est cool. Mais je pense du coup qu'il fallait les pierres pour pouvoir les faire. La porte s'ouvre une fois la clé du donjon utilisée. Bacon, c'est encore toi, hein? Ah, nous voilà enfin tous réunis. Je vois que Rosan s'est révélé indigne de vous, messieurs dames. Ça va? Ne bouge pas, un faux pas et le gosse est mort. M'énerve cette vieille peau, là. Alors, Yuri, tu te demandes ce que je fais là, n'est-ce pas? Très bien. Je vais donc m'expliquer. Pour exaucer mes rêves, j'ai commencé à m'imprégner d'une forme de magie secrète et arcane. Une fois acquise, je pourrais nettoyer le monde de sa crasse et le faire entrer dans une nouvelle ère. Et quelle est la différence avec le complot de DEI? Comme lui, tu n'es qu'un magicien fou.
Bacon, il va griller. Pas encore, je pense pas. Ton problème est que tu penses trop concrètement. Il faut approcher la réalité plus librement. Ne confonds pas mes rêves avec les jeux d'enfants de DUI. Et maintenant... Dis-moi, à ton avis, qui est cette femme? Ça va pas, non? C'est la mère de Ellie, nom d'un chien. Eh bien oui, c'est exact. Mais sa vraie valeur ne se limite pas à une dimension si réduite. Elle est indispensable à l'avènement de mon nouvel Éden. Elle sera le flambeau du dieu qui s'approche. Si Alice est la clé de la lumière, incarnant la magie positive, celle-là est la clé des ténèbres. C'est bien trop compliqué. En fait, tu veux dire qu'elle est la clé qui va débloquer ta magie? En résumé, oui. T'aurais pu commencer par là, à Ahuri. Bon sang! Bon, je suppose qu'on a fini de rire. Prends ça! Mode verre de terre activé. Alors qu'avons-nous ici? Elle est capable de supporter toutes les souffrances, mais pas celle infligée à son fils adoré. Erreur fatale. Maman. Et les amis que vous avez guidés jusqu'ici par télépathie vous ont déçu. Il y en a marre, espèce de sorcière. Je suis sidéré de voir que tu peux encore te tenir debout, monstre. Ah ouais, et bah tu vas être drôlement impressionné par la suite. Tu es vraiment très drôle. J'accepte ton défi. Arrête ton spectacle, toi qui prétends être Bacon. Ah, tu vois enfin la vérité. Es-tu prêt à m'écouter? Kudelka la sante. Tiens, tiens. Yori, merci d'être venu. Ça me touche beaucoup. Ce n'est pas le moment de mourir. Toi? Je pars avec cet homme. Vous, allez rencontrer un vieil homme au Pays de Galles. Et je t'en prie, prends bien soin de mon Ellie. D'accord, je laisse la vie sauve à cette populace, et en échange, tu es mienne. Olga, je te laisse finir. Maman! Je viens te prendre la vie au nom de Seigneur Bacon. Je ne vous pardonnerai jamais ce que vous avez fait. Dark Light, Earth Wind, Fire Water, les faiblesses de Shadow Hearts. Oh, mais le water est aussi bon sur le feu. Olga? Olga, je crois qu'elle fait du mort subite. Je sais plus. Dans le doute, hein. Augmente la puissance d'attaque spéciale de la cible. La musique est dingue, je trouve. Ouais, elle est bien, la musique. Ah, quand même, ça fait mal en fait. Bien ça.
Comme je sais pas combien elle va récupérer. Attends, ça rend combien ça? 150? C'est 280. Il a perdu un peu moins de 200. Bon, on verra. Le poison, comme d'hab, je mens. Contre-fiche. C'est pas dégueu, 200 au total. Putain, si elle a que des sorts de zone, c'est un problème. Pour le moment, ça va aller, mais... Faut qu'on la DPS à mort. Là, pendant 5 tours, il peut mettre ça, donc ça veut dire qu'il peut faire 1500, voire un peu plus, c'est pas mal. Ouais, j'ai un soin de zone effectivement, mais il coûte cher. Donc faut que je prévoie quand même de récupérer des PM si jamais ça descend trop vite. Sans oublier évidemment les EM. Ça, c'est une autre histoire. Et ça, maintenant Alice, elle en a 12. Très bien. En plus, elle a un truc qui permet d'en perdre moins. Du coup, c'est Ailey qui va aller perdre plus vite. Je te donne la page wiki sur les oppositions sur Discord. Merci. Je vais la faire soigner de toute façon. C'est pas la peine de la faire attaquer. Je vais surtout éviter de perdre un tour en essayant d'atteindre un critique. Il vaut mieux faire un peu moins de dégâts que de rater un tour complet quand même. J'espère que j'ai pas mal calculé mon coup pour Yuri. Hein. Ça m'arrange. Prends des risques là.
À plus tard, nana. Le pacte de Satan n'a plus d'effet. Ah non. Ah là 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 là. Non, ça se fait pas. Attention les EM, ça descend. Bien ça, très bien. Je crois que je vais commencer à remonter les EM. On peut attendre encore un tour. Très bien. Sora. Là, je sais pas combien je lui ai infligé depuis le début, mais j'en ai fait quand même des dégâts. Au moins 3000, je pense. On continue avec ça. Oh.
Ah, ça y est. Ouais, elle doit avoir 3000 ou 4000, je pense, hein. Maître Bacon. Thanks. Maman.